Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance d'identifier votre coach idéal afin de l'attirer à vous pour bâtir votre équipe de coach. Donc, dans le fond, qu'est-ce que vous avez à vous demander? C'est qui est-ce que vous aimeriez voir dans votre équipe? Qui est-ce qui serait un bon coach parmi votre entourage et qui dans votre équipe actuelle on pourrait voir comme un coach qui aurait du potentiel d'avoir du succès? Donc, faut vraiment prendre le temps de réfléchir à la question et de créer un profil de la personne idéale qu'on aimerait avoir dans notre équipe, puis vraiment se poser des questions précises comme quel âge a cette personne-là, parce que si on s'adresse dans nos publications, puis at large sur notre page, à des gens qui ne sont pas dans la clientèle cible qu'on recherche, ben c'est certain qu'on ne va pas attirer les bonnes personnes. Donc, si nous, ce qu'on recherche, c'est des personnes, des femmes âgées entre 20 et 40 ans, bien, il faut le spécifier. Est-ce qu'on aimerait que ces personnes-là, ce soient des gens qui sont mariés? Est-ce qu'on aimerait que notre coach idéal, est-ce qu'elle a des enfants? Parce que vous, si vous n'en avez pas, peut-être que vous ne comprenez pas nécessairement la réalité des gens qui en ont et vice-versa. Donc, c'est important de définir ça. Où est-ce qu'elle habite, cette personne-là? Est-ce qu'elle habite au Québec? Est-ce qu'elle habite en région? Est-ce qu'elle habite dans un grand centre? Parce que ça peut faire une différence, ça aussi, c'est à y penser. Puis, quel est le revenu annuel de cette personne-là? Parce que il faut faire attention, parce qu'on a des produits quand même assez dispendieux. Puis, si la personne n'est pas en mesure de se payer elle-même les produits, mais peut-être qu'elle n'aura pas... le sentiment que les produits, elle va peut-être les trouver chers et avoir de la misère à les promouvoir. Donc, c'est important de définir le revenu de la personne. Qu'est-ce qu'elle occupe comme travail? Est-ce que c'est une maman à la maison? Est-ce que c'est une enseignante? Est-ce que c'est une infirmière? Est-ce que c'est une personne qui travaille dans le domaine de l'administration? C'est important vraiment de définir ces choses-là parce que ça va vous permettre par la suite, quand vous allez faire vos publications, de vous adresser à ces gens-là dans vos publications. Puis si vous faites de la sponsorisation, bien vous allez pouvoir aller cibler ces caractéristiques-là dans vos centres d'intérêt là, lorsque vous allez faire votre publicité payée. Donc, si vous avez certaines difficultés avec des caractéristiques de personnes, bien, c'est important de le mentionner puis de le mettre par écrit, puis de s'assurer que vous n'allez pas attirer ces gens-là vers vous, parce que c'est pas agréable de travailler avec des gens que ça ne clique pas. Il faut qu'il y ait un fit dans la relation. Quels sont les intérêts des personnes que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez des personnes qui... normalement, vous devrez chercher des personnes qui ont un intérêt pour le fitness et la saine alimentation, mais à part de ça, est-ce que ce sont des gens qui ont un intérêt pour la peinture? Est-ce que les animaux, la course, je sais pas, les voitures, peu importe, définissez vraiment les intérêts de la coach idéale que vous aimeriez avoir dans votre équipe. Quels sont ses traits de personnalité? Mais surtout, posez-vous la question à savoir qu'est-ce qu'elle vit comme difficulté, cette personne-là? Est-ce que c'est une nouvelle maman qui a de la difficulté à reprendre son poids d'avant-grossesse? Est-ce que c'est une personne qui n'a pas encore d'enfant, puis qui est dans la trentaine, puis que là, elle a toujours été habituée d'avoir un poids quand même assez stable, mais que là, l'âge fait son effet et le corps ne réagit plus de la même façon, puis elle aurait quelques petites livres à perdre? Est-ce que c'est une personne plus âgée qui commence à comprendre que c'est important de prendre soin d'elle parce que ça finit par nous rattraper à long terme avec les maladies et tout? Est-ce que c'est une personne justement qui a des problèmes de santé quelconques puis qui aurait besoin de se remettre en forme pour ces raisons-là? Qu'est-ce qu'elle vit comme difficulté, votre coach idéal?
Puis vous, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Quelle est la solution que vous avez à lui offrir le plus que vous allez décrire votre personne idéale pour faire partie de votre équipe? Bien, le mieux vous allez être en mesure de l'attirer à vous parce que lorsque vous allez faire vos publications sur votre page, vous allez être spécifique. Puis ces gens-là vont se reconnaître au travers de vos publications. Puis nécessairement, ils vont se dire, bien, cette personne-là me comprend. J'ai confiance en elle et puis j'ai le goût d'aller vers elle. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment que les gens se reconnaissent dans ce qu'on est. Puis la plupart du temps, ça va être des personnes qui nous ressemblent. Puis c'est normal parce qu'on attire ce qu'on est finalement. Puis... j'aimerais vraiment que vous preniez le temps de faire l'exercice de décrire cette personne-là que vous recherchez, vous mettre dans la peau de cette personne-là, puis vous pouvez même vous créer un visuel si vous voulez, aller chercher une photo sur Google de la personne que vous imaginez, puis vous pouvez même lui donner un nom si vous voulez, puis adressez-vous à cette personne-là quand vous faites vos publications. Donc, c'est comme ça que ça va vous permettre d'attirer ce genre de personnes-là à vous en créant un profil de la personne. Puis plus on va être précis dans notre description, bien plus on va attirer ce genre de personnes-là à nous. Alors, comme je disais, lui faire savoir là, qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Vous avez probablement déjà daté un genre de gars que ça fonctionnait pas, un loser si on pourrait dire. Puis vous vous êtes demandé, mais my God, comment j'ai pu faire pour attirer ce genre de personne-là à moi? Puis là, ben ça vous a apporté à vous questionner sur qu'est-ce que vous recherchez comme qualité chez un homme. Puis qu'est-ce que vous aimeriez que les qualités, les caractéristiques de cette personne-là, puis surtout, qu'est-ce que vous ne voulez pas que cette personne-là ait comme défaut qui fera en sorte que ça ne ferait pas du tout l'affaire dans la relation. Mais dans le fond, c'est la même chose avec une coach parce que c'est une relation qu'on a avec notre équipe, puis ben, il faut qu'il y ait un fit. Fait que c'est important de prendre le temps de vraiment cerner le profil type de la coach idéale avec qui on aimerait travailler dans notre équipe. Puis ça va faire en sorte que justement la relation va être encore plus agréable à long terme parce que ça va être des personnes qui nous ressemblent, des personnes qu'on a ciblées et avec qui on a le goût de travailler. Alors, adressez-vous à ces personnes-là, à votre niche finalement là, de coach idéal et sur votre page quand vous faites vos publications, mais aussi en invitation personnalisée. Donc, vous pouvez vous faire une liste de prospects qui ont ces caractéristiques-là. Donc, encore une fois, prendre notre liste de contacts Facebook, le Memory Jogger, puis vraiment penser à le genre de coach qu'on recherche, notre coach idéal, là, ben mettre des noms. Trouvez au moins 10 personnes que vous pouvez faire une liste de 10 personnes que vous pourriez vous adresser à ces personnes-là pour les contacter puis leur présenter l'opportunité. Donc, c'est certain que les gens ne vont pas nécessairement là, sauter de joie puis dire « oui, 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 j'embarque ». C'est comme les invitations qu'on fait pour nos défis de groupe. C'est très peu le nombre de personnes qui vont vous dire « oui, mais il faut vraiment persévérer puis il ne faut pas lâcher parce qu'on ne sait jamais à qui cette opportunité-là pourrait faire l'affaire puis à quel point on pourrait permettre à une personne d'améliorer sa vie grâce à cette opportunité-là. » Donc vraiment, il ne faut pas lâcher. Puis même si ça peut prendre 2-3 mois avant que vous ayez votre première personne qui vous dit oui, à un moment donné, vous allez trouver votre secret sauce, la façon de vous y prendre qui va faire en sorte que ça va fonctionner. Puis vraiment, là, il ne faut pas lâcher. Donc, comme petit devoir aujourd'hui, c'est super simple, je vous demande de faire votre profil de la coach idéale que vous aimeriez avoir dans votre équipe. Ça va vous aider pour le futur, je vous le garantis, puis ça va vous permettre là, d'attirer des personnes dans votre équipe qui, avec qui vous allez avoir le goût de travailler. Parce que il n'y a rien de plus plate que de recruter des gens puis de perdre notre temps parce que notre temps, il est précieux. Puis moi, au début, là, j'avais pas fait cet exercice-là puis je recrutais un peu n'importe qui puis ça fonctionnait pas puis je perdais beaucoup de temps à essayer de former ces gens-là. Et finalement, les personnes lâchaient. Donc vraiment, c'est important de prendre le temps de faire cet exercice pour aller chercher des gens de qualité.
Donc, puis ça m'amène à vous dire aussi que cette liste-là doit être constamment remise à jour parce que justement, il va toujours avoir du monde qui va lâcher. Puis votre rang, là, quand vous l'avez, ben c'est pas coulé dans le béton. Il faut vraiment toujours continuer à recruter parce que il y a toujours du monde qui lâche, puis il faut toujours continuer d'inviter parce que si vous voulez maintenir votre rang, là, c'est très important. Donc, identifiez votre profil de coach idéal, faites une liste de 10 prospects qui ont ces caractéristiques-là que vous aimeriez avoir dans votre équipe que vous pourriez contacter, puis pensez à des publications sur votre page là, que vous pourriez faire en vraiment en vous adressant à cette personne-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous allez prendre le temps de faire les petits exercices qui vont vous être utiles, j'en suis convaincue. Donc, bonne fin de journée, puis on se reparle demain.